Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat, François Fragi, Ben Trana, Janine Ruth Batrotten, Mazal Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom et Ishaya, Ben Ninda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous disions Messachat Kimushin, Perek Dalet, Mishnah Zain, Rabbi Eliezer, Ben Yaakov Omer, Israël Shenasa Gioret, Bito Kshera la Keuna, de Ger Shenasa Bat Israël, Bito Kshera la Keuna, Aval Ger Shenasa Gioret, Bito Psula la Keuna. Echad ger, ve'echad avadim meshuchrarim, ve'afilu ad asara dorot, ad shete imo m'Israël. Rabbi Yossi Omer, avgir shenasa gioret, bito kshera la keruna. On a une Mishnah qui nous parle du Kohen et de la convertie. Est-ce qu'un Kohen a le droit de se marier avec la convertie? Avec une fille convertie ou bien une fille de convertie? Il y a un pasouk, il faut savoir, il y a un pasouk dans Yechezkel qui est rapporté. Al-Mana, il y a un passage dans Yechezkel, tout un chapitre en fait dans Yechezkel, où là-bas, le Yechezkel Hanavi, il donne toute une série de halachot, qui contredisent un petit peu la Torah, c'est d'ailleurs un problème, que la Torah parle longuement de ça, parce que les prophètes n'ont pas le droit, ne peuvent pas donner des nouvelles mitzvot au-dessus, en plus que ce qui a été dit par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le summum qui a donné toutes les mitzvot, les tariq mitzvot, tous les Nevi'im, ils ne peuvent pas rajouter des mitzvot. S'il rajoute des mitzvot, c'est que forcément c'est des neviers shaker. Donc il y a toute une paracha dans Yechezkel qui pose problème. Rachamim parle de ça longuement et se veille à expliquer chaque terme qui a été dit. Concrètement, en tout cas dans cette paracha, il y a un pasouk là-bas qui nous dit que Almana ou Grusha, lo ikru laem enashim, kim betulat, betulot, misera bet Israël. Il y a marqué qu'une veuve et une divorcée, ils ne prendront pas pour femme. Sans ce même un problème, parce qu'un Kohen il a le droit de se marier avec une veuve. C'est que le Kohen Gadol qui a pas le droit de se marier avec une veuve. Mais un Kohen Ragil a le droit de se marier avec une veuve, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. D'accord? En tout cas, tout est expliqué dans le Gemara. Mais il y a le. Donc, Almana ou Grusha, Loïc Roulem et Nashim, une veuve et une divorcée, ils ne prendront pas en femme. Et Kiim Betulot Misera Bet Israël. Mais uniquement des femmes vierges. Misera Bet Israël, qui viennent de la descendance affiliée au peuple d'Israël. Alors on laisse de nouveau de côté un deuxième problème dans le pasouk, c'est qu'un Kohen il a le droit de se marier avec une femme, même qui a eu un rapport avec un juif, tant que ça n'a pas été avec un goy. Donc c'est quoi une betulot? Mais tout ça, c'est pas notre propos pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la fin du chapitre, la fin du pasouk qui est marqué Misera Bet Israël, qui doit être du Zera Bet Israël, né dans le peuple d'Israël. Donc à exclure un converti. Un converti, il n'est pas franchement Bet Israël. Il a pris le Hol Torah Mitzvot, il est maintenant imposé des mitzvot, on a besoin d'en faire plein de choses avec lui, c'est notre frère, concrètement, mais en tout cas, il n'a pas la mala d'être appelé Avraham Yitzhak Yaakov. C'est sur ça que c'est discuté. Est-ce que même une Michel en Bikurim qui raconte, qui a un avis qui pense qu'il n'a pas le droit, quand il fait la Tfila, il ne dit pas Eloke Avraham Eloke Israël, Eloke a voté, non. Il dit Eloke Israël, parce que lui, c'est pas ses parents. La Gemara conclut que oui, parce qu'on a vu toutes les grilles sont appelées enfants d'Avraham, elle ne s'appelle pas Zera Bet Israël. Ok? Donc, la question elle est de savoir jusqu'à quand ça leur reste cette histoire-là, d'être considérée comme un ger. On a vu dans la Mishnah précédente, on avait déjà vu Rabbi Yehuda, on en reparlera après, que Rabbi Yehuda nous dit que tant que le père il est ger, la fille ne peut pas se marier. On a sur ça un deuxième avis, on fera après le point, je vous rapporterai quatre avis. La Lachan, on a Rabbi Eliezer ben Yaakov qui nous dit comme ça. Israël chez Nasag Yoret. Si un juif classique, Israël, il se marie avec une convertie, ou inversement, et alors, dans cette situation, Bito Kshera la Keuna, sa fille, elle est permise au Kohanim, parce que elle a un père Israël, donc elle est affiliée au peuple d'Israël. Donc autant que si moi je suis un Kohen, je me marie avec une bat Israël, mon fils devient un Kohen, parce que le père, comme on avait appris dans le Mishnah plus haut, on est affilié dans la mesure où il n'y a pas de par rapport au titre de famille et à la tribu à qui tu appartiens, alors on est affilié selon le père, d'accord? Selon le père, donc il y a Israël qui est avec une bat Israël, sa fille, avec une Yoret, sa fille elle est permise pour le peuple d'Israël. Mais même inversement aussi, figurez-vous, que Ger Shenasa bat Israël, s'il y a eu un converti qui s'est marié avec une bat Israël, aussi Bito Kshera la Keuna, sa fille aussi elle est permise pour la Keuna. Par contre, qu'est-ce qu'il ne faut pas?
que Abalger, Shenasa, Gioret, si c'est un converti qui se met avec une convertie, ils restent ensemble, leurs enfants qu'ils vont avoir, ce sont des enfants 100% convertis, même si eux-mêmes ne sont plus convertis, ils sont nés dans le peuple d'Israël, malgré tout, Bitop Sola la Kouna, sa fille ne peut pas se marier avec les Kouna. On va prendre un peu le passouk. Je continue d'abord, je vais arriver à Rabbi Yossi ensuite, et après on fera le point. Donc, et la Mishnah me précise aussi, me dit Ben Ezer Ben Yaakov, sache que ce que je t'ai dit, c'est vrai pour les Geh Echad Ger, Ve Echad Avadim Meshufarim, qu'il s'agisse d'un esclave, d'un converti, ou qu'il s'agisse aussi d'un esclave affranchi. À l'époque, quand il y avait des esclaves, on partait acheter un esclave chez les Goïm. Quand on l'achetait, il fallait le faire le Brit Mila, on lui retrempait en minuet, il avait un statut d'esclave. C'est pas encore un vrai juif, il a imposé de plusieurs misotes, mais c'est un statut très original entre les deux. Et il a des, concrètement, il a imposé des misotes comme une femme, pour le même niveau. Il n'a pas imposé de toutes les misotes de mettre des tefillines, de la souka et tout ça, mais en tout cas, il doit manger kasher. Il a à peu près le même niveau que toutes les misotes assez chez Nazman Germa. Donc là, Michel me dit qu'il s'agisse aussi d'un esclave, ou d'un converti, ou d'un esclave affranchi, à Philo Adassar-Droth, jusqu'à même 10 générations, à Chetanimom Israël, jusqu'à qu'il y ait au moins une mère d'Israël. Donc imaginez des convertis qui se marient entre eux, ils ont une fille, et un autre couple de convertis qui se marient entre eux, ils ont un garçon, ce couple-là, ils se marient, ça fait déjà maintenant 3 générations qu'ils sont dans le peuple d'Israël, les enfants, ils étudient dans les yeshivot, super bien, des grands tzadikim, parfait, aucun problème. Et bien, pour le moment, les filles ne peuvent pas se marier avec des Kohanim, selon Abelézer Ben Yaakov, jusqu'à qu'il y ait au moins une mère d'Israël quelque part. Même un père, à plus forte raison, bien sûr. Ça, c'est l'avis de Abelézer Ben Yaakov. Et sur ça, Rabbi Yossi Omer, non. Afger Shenasa Gioret, même un converti qui se met avec une Gioret, avec une convertie, Bitok Shira la Kiouna. Ça fait, sera permis pour la Kiouna. Je reviens sur le Pasouk et j'explique les 3 avis. On avait dans la Mishnah précédente, l'avis de Rabbi Yehuda qui me dit non, si le père il est guer, alors elle appartient à la, aux descendants des guérim, la fille elle ne peut pas se marier. Même si la mère est d'Israël, ça c'est Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, lui il nous dit maintenant il faut que ce soit Misera Bet Israël, comme on a dit. Il faut que ce soit Misera Bet Israël. Donc il faut que tu sois affilié au Israël. Autant que les enfants de Kohanim sont Kohanim, les enfants de Lévim ils sont Lévim, les enfants quand le père il est Kohen, les enfants ils sont Kohen, quand le père il est Lévim. Les enfants sont élevés. Quand le père est Israël, la fille est Israël, mais quand le père est guerre, la fille a un statut de Mishpachat guerre, une famille de guerre, et elle interdit. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est très marmire, parce qu'il faut nécessairement que le père il soit Israël, qu'il se marie avec une guerre. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar Ben Yaakov dit non, ça suffit même qu'il y ait Misera Israël, même un petit peu du Zera Bet Israël. Il a pensé du Pasouk de nouveau. Misera Bet Israël, un petit peu Miktsat Zera, comme ça la Gemara l'explique. Un petit peu. Il y a un peu de peuple, de Bnei Israël netto, net, qui s'est mélangé dans ça, c'est bon, ça rend tout caché. Et Rabbi Eliezer, Rabbi aussi, lui, il me dit non, il faut miser à Bnei Israël jusqu'à qu'il ait été fécondé dans le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'un converti qui se marie avec un converti, et aujourd'hui maintenant ils appartiennent, ils ont intégré le peuple d'Israël, leur enfant, il était fécondé dans le peuple d'Israël. Par contre, regardez quelque chose de spécial. Si on a un converti, une convertie, qui était déjà mariée quand elle était goïm. La mère, elle est tombée enceinte. Elle se convertit pendant sa guéroute. Elle se rend au milieu et Mazal Tov, elle a un enfant qui naît et qui est devenu maintenant peuple d'Israël. Il est né dans la cacheroute. Mais elle a été fécondée pas dans la cacheroute. Il n'a pas été misérable d'Israël. Il n'a pas été misérable d'Israël. Selon Rabbi aussi, ça, c'est invalidé. Et sur ça, il faut savoir qu'il y a un deuxième, un quatrième avis. C'est l'avis de Rabbi Shimon. Il n'est pas rapporté dans la Mishnah, mais il est rapporté dans la Gemara qui me dit que non. Tous les guérims sont tous permis pour les Kohanim, à condition qu'ils se convertissent, que la fille se convertit après l'âge, avant l'âge de 3 ans. C'est la seule condition qu'il a, et des raisons pourquoi, pour ne pas qu'elle ait un statut de Safek Zona, Safek Halala, c'est plus compliqué, c'est pas pendant notre Mishnah. Pour la Halakha, regardez comment on retient. On retient qu'a priori, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, a posteriori, Rabbi aussi. C'est comme ça qu'il tranche le Bartanoura, le Barambam aussi. A priori, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins un père ou une mère d'Israël. Mais un enfant de 100% guérim, a priori, qui ne se marie pas avec un Kohen. A posteriori, ils se sont déjà mariés. S'ils se sont déjà mariés, la Lachel est retenue comme Rabbi aussi, puisqu'il a été, il est né dans le peuple d'Israël, alors c'est permis. Donc il pourra rester avec elle, les enfants sont cachés, ce sont des bons Kohanim, ils pourront faire le Bikat Kohanim, ils pourront recevoir le Pidyon Aben sans aucun pikpouk. D'accord?
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.